2 des Supercoupes d'Espagne. Ouais, c'est pour ça, ce serait pas du luxe pour un club comme, comme l'Atlético d'aller accrocher ce trophée. Surtout que la dernière, c'était 2014, donc ça remonte maintenant à quasiment 10 ans. C'est l'année où ils sont allés justement chercher le titre sur la pelouse du Barça avec un nul. Ça s'est bien fait parce qu'il y a du monde dans la surface de réparation. Vinicius va plus vite, est-ce qu'il va la jouer tout seul? Oui. Et il bute sur Yann Oblak, deuxième possibilité, la frappe de Jude Bellingham. Incroyable, c'est pas fini, c'est poussé au fond par Danny Carvajal. 5 minutes de la fin, Jude Bellingham a failli encore être le héros. Mais finalement, c'est Danny Carvajal qui ramène le Real. Quel match, quelle action et quel but de la part de Danny Carvajal. Le Real qui a insisté sur cette action, qui a dû s'y reprendre à deux fois, trois fois. Avec Yann Oblak.